Par jour? La proposition qui a été faite a été celle de dire aux êtres de pousser l'énergie à un niveau d'intensité beaucoup plus grand dans les unions pour que l'énergie monte, monte, monte et vienne à éclater au niveau de l'orgasme. L'orgasme n'était pas connu. Si on remonte très, très, très loin, dans les époques où les êtres faisaient juste s'unir ensemble pour ressentir la plénitude originelle. Alors, tout doucement, les êtres ont commencé à faire l'expérience de monter l'énergie, la monter, la monter, la monter, au point de la faire comme exploser, comme on le dit de nos jours, et c'était le début de la libération de l'énergie sexuelle. Et graduellement, l'énergie sexuelle se trouvait à sortir par le chakra de la base et en même temps par les autres chakras parce qu'ils sont tous interconnectés. Et ce processus-là s'est vécu pendant des siècles, pendant des millénaires. Et là, les êtres, une fois après l'autre, au fil du temps, mais c'était très, très espacé parce qu'il n'y avait pas encore de conditionnement, de routine, il n'y avait pas d'ego au niveau de la sexualité de développer. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais à force de répéter cette expérience-là, les êtres ont dévitalisé graduellement leur structure énergétique et toute la colonne de lumière qui habituellement est la kundalini qui est levée, cette énergie-là s'est affaissée et les chakras ont ralenti de plus en plus et l'être humain a perdu siècle après siècle des facultés qu'il avait. Au fur et à mesure que ses capacités énergétiques diminuaient, les centres d'énergie devenaient moins puissants et c'est comme ça que graduellement l'être perdait sa clairvoyance, sa clairaudience, sa capacité à se matérialiser ou à matérialiser ou à dématérialiser à volonté. Toutes les facultés spirituelles ont commencé à disparaître et l'être humain devenait de plus en plus dense. Et en étant de plus en plus dense, les conflits ont commencé parce que l'être n'était plus dans les mêmes états de plénitude. Donc, en ne se sentant plus aussi bien intérieurement, il devenait un peu plus dépendant des structures matérielles qui commençaient à se mettre en place, à se former sur la planète. Et c'est là qu'au fil du temps, les conflits de territoire, les conflits interpersonnels, les batailles de toutes sortes ont commencé à se former. Donc, à la fin de la période de la Lémurie, les êtres étaient vraiment des êtres polarisés dans la sexualité conventionnelle et c'était juste une petite poignée d'initiés qui continuaient de pratiquer la sexualité de façon tantrique, originelle, sans libérer l'énergie à l'extérieur du corps. Et c'est des initiés qui sont toujours restés dans les royaumes plus élevés de la planète, qui n'ont pas densifié leur énergie jusqu'au plan physique comme on le vit aujourd'hui. Quand est arrivé certains bouleversements à la fin de la Lémurie, la nouvelle civilisation a commencé, qui était l'Atlantide, et l'Atlantide s'est développée, elle aussi, pendant des milliers d'années. Et cette civilisation-là a été très, très développée avec vraiment des villes, avec une haute technologie. Samael raconte, entre autres, qu'il était capable de... Mais c'est pas nécessairement très intelligent, là, mais ils se sont développés beaucoup, mais comme l'ego se développait, eux autres aussi, la science se développait sans nécessairement avoir toujours de la conscience qui se mêlait à ça. Puis il y a eu des périodes où ils étaient capables de prendre les élémentaux de la nature et les jumeler, les associer à des robots qu'ils faisaient pour que le petit élémental, qui habituellement contrôle des forces de la nature dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, les élémentaux pouvaient être associés à une machine puis gérer la machine. Il y avait des glandes qui étaient récupérées des corps qui étaient transposés pour prolonger la vie des gens, comme on commence aussi aujourd'hui à le développer avec les transplantations d'organes. Mais tout ça, c'est toujours une science qui dégénère parce que l'être humain perd ses facultés. Le but, c'est pas tant de devenir esclave d'outils scientifiques, mais c'est plus d'apprendre à se régénérer. Donc, l'Atlantide s'est développée avec plein de courants d'enseignement, des sociétés, des villes, de la campagne. Ils avaient des vaisseaux spatiaux aussi encore, alors qu'ici, maintenant, dans notre civilisation, on ne les a plus. Donc, c'était une civilisation très riche, mais qui avait son courant lumineux puis tout son courant noir qui se développait de plus en plus. Et là, le courant
de sexualité conventionnelle s'est amplifié de plus en plus, puis c'est vraiment devenu la norme partout. Tout le monde vivait la sexualité de façon orgasmique, sauf encore une fois quelques petits groupes d'initiés qui avaient maintenu la connaissance originelle et qui savaient qu'en gardant l'énergie à l'intérieur d'eux, ils pouvaient être beaucoup plus haut en vibration, puis tout réveiller leurs facultés ou les garder éveillés s'ils ne les avaient pas perdus. Donc, les êtres qui, eux, expulsaient de plus en plus leur énergie, ont perdu aussi leur état d'immortalité, sont devenus des êtres qui, en manque d'énergie, vieillissaient de plus en plus. Et au lieu de rester éternellement jeune, le corps se métamorphosait avec les baisses d'énergie, le corps vieillissait, le corps changeait comme on le voit changer de nos jours. Mais au début, ils vivaient quand même plus longtemps. Ils pouvaient vivre, disons, 5000 ans, après ça 2000 ans, après ça 1000 ans, après ça 700 ans, 500 ans. Graduellement, toute l'énergie de base diminuait d'une génération à l'autre. Et ça a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés dans un état vraiment mortel, comme nous, aux alentours de 100 ans, 80 ans. Et de devoir se réincarner continuellement au lieu d'avoir une grande longévité ou être dans un état d'éternité. Donc, la période Atlante ressemblait beaucoup à des choses qu'on vit à notre époque, avec les inventions, les technologies, la civilisation qu'ils avaient mis en place, mais il y avait certains éléments qui étaient encore très spirituels que nous, on a perdu. Aussi, c'est bon de savoir que quand se termine une grande civilisation, c'est qu'il y a des bouleversements qui viennent changer des choses sur la Terre et faire des remue-ménages au niveau des continents. C'est un remue-ménage qui se fait à la fin d'une grande période, à la fin d'une grande civilisation. Alors, c'est arrivé à la fin de la période lémurienne, c'est arrivé à la fin de la période Atlante, et ça va arriver, on est au point charnière, là, à la fin de notre période arienne et début de la civilisation corallienne, ou la civilisation de Coralie. Qu'est-ce qui provoque ces gros bouleversements-là? Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des facteurs de bombardement, de guerre, entre autres, un élément particulier que Samael a ramené, c'est qu'on pense souvent qu'on vient du singe. Mais pour les initiés qui peuvent remonter dans les annales de la Terre, dans les annales akashiques, le singe, au contraire, est un être humain dégénéré parce qu'il y a déjà eu des bombardements atomiques en Atlantide et dans le passé lointain. Et il y a eu des régions de la Terre où les êtres qui se sont retrouvés là en difficulté sont allés comme dans des cavernes puis des grottes et se sont retrouvés à vivre dans un mode très primitif. Et tout l'état humain a dégénéré pour qu'ils deviennent une forme de singe.